Dans cette vidéo, nous allons vous présenter le nouveau capteur photo du Xperia Z. Que ce soit pour la photo ou la vidéo, toute l'expertise de Sony est encore une fois réunie dans ce smartphone. D'ailleurs, vos créations n'auront plus rien à envier à celles des appareils compacts. Entrons dans l'application photo. Quelque chose vous intrigue? En effet, il est désormais possible de lancer la capture photo ou vidéo avec un bouton dédié. Et pour être sûr d'avoir la bonne photo, par exemple sur des sujets en mouvement, nous avons doté le Xperia Z d'un nouveau mode rafale, qui permet de décomposer n'importe quel mouvement en une multitude de photos directement classées dans un album dédié. Autre nouveauté, le mode auto supérieur, emprunté aux appareils photo CyberShot de Sony, qui détermine automatiquement le type de photo souhaité, macro, basse luminosité ou portrait, et qui va adapter tous les réglages en fonction. Difficile de manquer ces photos maintenant. Dans cette même logique, le mode HDR vous permet d'optimiser au mieux le rendu des photos prises en conditions de luminosité difficile. Concrètement, ce mode corrige les contre-jours et les sous-expositions qui peuvent dégrader vos photos et vos vidéos. Passons maintenant par l'application Album, qui, comme sa cousine Walkman pour la musique, centralise l'intégralité de vos créations en un seul et même endroit. Elle va encore plus loin en rassemblant les fichiers de vos différents services connectés comme Facebook ou Picasa, et en stockant automatiquement vos photos sur le service en ligne Play Memories. Et pour les amateurs de filtres et autres effets photographiques, vous allez également pouvoir vous faire plaisir. Mais pour vous faciliter la tâche, le Xperia Z vous permet d'appliquer ces effets, non pas après la prise de vue, mais avant. Et si vous êtes perfectionniste, plusieurs niveaux de réglage sont disponibles pour chaque effet. C'est tout un univers créatif qui s'ouvre à vous. Enfin, vos vidéos seront en qualité HD, ce qui vous permettra d'exporter vos créations vers un téléviseur sans déperdition. Mais la principale nouveauté du mode vidéo est ici. Désormais, vous pouvez prendre des photos pendant l'enregistrement de vos vidéos. Pour conclure, nous retiendrons que le Xperia Z propose un capteur photo inégalé sur un smartphone. En plus de la qualité d'image, nous avons mis le meilleur de l'expertise Sony à votre service, avec des fonctionnalités qui facilitent réellement les prises de vue. Votre smartphone est votre nouvel appareil photo. Et si vous avez envie d'en savoir plus sur le Xperia Z, n'hésitez pas à visiter nos autres vidéos.